Après avoir dormi cette nuit alentour à la belle étoile, et avoir été réveillé soit par le soleil, soit par la lune, si demain matin toi ou moi tendions l'oreille, peut-être nous demanderions-nous combien vaudrait premièrement une copie de cet amphithéâtre construite dans la région chinoise de Canton, deuxièmement son transfert dans l'un des sept émirats arabes, ou bien troisièmement sa destruction puis sa reconstruction à l'identique ici même 140 millions d'années après nos disparitions respectives. Alors que le passage d'un improbable essaim d'abeilles au-dessus de nos organismes encore sous-caféinés serait propice à l'entretien de la circulation de quelques écoutes flottantes entre nous deux, nous mènerions l'extrasis des guerres monétaires en vigueur sous l'angle des stratégies des plus grandes puissances mondiales à l'œuvre, dans le simple but de nous en extraire, sinon de nous en défaire.